Hey, salut, j'espère que ça va bien, Spree. On s'en rejoint pour la suite de Legacy. Là, de dernière fois, on a buté un troll. Notre bonhomme, il est devenu vraiment laid, Spree. Le petit chapeau, puis la petite. Oh, what the fuck, il est. Puis la petite écharpe, écharde. Whatever. Puis, ah oh oui, bon, on a une cape, mais là, il est vraiment laid. Fait que, let's go, on va continuer ça. On est rendu dans la salle commune. Puis, mon objectif, là, c'est de trouver un balai ou whatever, un griffon. J'ai vraiment envie, genre, de voler, là. À date, j'ai passé pas mal d'heures à me promener dans le château parce que c'est bien trop hot. C'est vraiment ouvert, partout. La seule affaire qui me manque, c'est le sort pour débarrer les portes. J'espère que ça va être bientôt qu'on va pouvoir avoir ça. Let's go, on va aller parler directement au professeur Fig. Révélio. Quelque chose à voir ici. Oh. Oh, attends un peu, ça. Oh, attends un peu. Ah, il y a un truc ici aussi. Non, 62. Ok, fait que ça a un lien avec ces deux affaires-là. Peut mettre un cheval, ça. Ok, on a des choix en tabarouette. Ok, je comprends vraiment pas par contre ce que cette affaire-là fait qu'on va essayer 13, 21. Y a-t-il un chiffre là-dessus? Okay, on va dire le serpent, puis l'autre c'est l'araignée. Non, c'est pas ça. Ok, comment ça marche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 signes. 1, 13. Fait qu'il y a 1, ça. 1 plus ça. Que là, il y a 12. C'est-tu ça que ça veut dire? Attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'araignée, c'est 9. Ça veut dire 10. Ça veut dire l'autre signe, ça serait 3. Ça serait le signe fuck. Top là. Ok, non, il est pas là. Ça. C'est bien ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, puis l'autre, c'est le serpent 1, 2, 3, 4. Ok, 4. Ça veut dire 17 avec le 13 si j'additionne les deux. Ça veut dire 4, ça veut dire c'est encore un serpent. C'est-tu du sens? Non, mais je comprends pas de bord. On a-tu pris le mauvais signe pour l'autre de bord? Je pense pas. Tu sais, l'araignée, c'est 9, 10, 3. 3, c'est ça. Lui, c'est 13. On a peut-être fait une erreur de maths. 4, 17. Plus 4, 21. Fait que c'est 4, ça sera encore ça. Mais je comprends pas. Mais ça n'a pas le choix d'être ça, je pense. C'est des additions. C'est peut-être dans l'autre sens aussi. Fait qu'attends un peu. Avoue. On va essayer de faire un de dernier essai. Okay. Fait qu'on va dire qu'on part dans l'autre sens. Fait que l'araignée vaut 2, 3. Fait que là, tu prends celui qui vaut 10. C'est le genre de hibou dégueulasse. On va mettre hibou dégueulasse. Non, on l'a pas. Ça doit être sur l'autre. Ouais, c'est ça, l'hibou dégueulasse. Là, après ça, c'est le serpent. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Ça serait cette affaire-là. Fucked up. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas plus ça. Y a-t-il une affaire écrite? Non. C'est avec le nombre de pattes, peut-être? Non. Si on peut toutes des pattes. Ça a pas le choix d'aller avec la position, je pense. On commence. Ok, on va recommencer. Ok, 12. Puis l'araignée, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça veut dire 3. Pas le choix d'être lui, c'est cette affaire-là. Ouais. Et après ça, 1, 2, 3, 4, 17. 17, ça prend 4, c'est encore ça. Mais ça, on l'avait déjà fait, puis ça n'avait pas fonctionné. Bon, je comprends pas. On va reprendre pour elle. Je comprends pas comment ça marche. Donc, on va aller voir professeur Fig. Ah, je pense qu'on n'est jamais
été dans... Ah non, on a déjà été ici à ce faire. Oh, ok. Elle court après avec une hache, c'est que c'est drôle ça. Ok, bon. Attends un peu. On va faire lui. C'est... Lumos. Ça, Lumos. Des piliers, un arche, puis... Ok, ça doit pas être loin d'ici. Peut-être de l'autre bord là-bas aussi. Okay, on va juste donner encore un autre bon look. Ça a l'air d'être en bas. Attends, la peinture c'est quoi? Okay, ouais, ça a l'air d'être en bas ça. Peut-être de l'autre bord. On va aller en bas. Ça doit être en bas. Deux piliers. Non, c'est pas là. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir. 142. Il y avait une porte spéciale. Si quelqu'un doit se prendre... Non, c'est pas là. J'espère qu'on va la trouver. Nam voudra bien m'aider? Pas de suite, ma grande. Je suis sur une mission. Une nouvelle tête pour qu'est-ce que tu veux? Tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Pantoute. Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Mais fort intéressant. Et pourquoi? Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joie. Léon de Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? Pas en tout. De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça m'intéresse pas. Seulement si tu perds, ce qui ne m'arrive jamais. Ah ouais? Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et je les comprends. Ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. Bon, je peux pas aller les chercher. De leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. My God, est-ce prêt à faire du chantage? Tu n'as aucun ami à l'école? T'as pas d'amis? Nati m'a dit bonjour une fois, mais c'est tout. C'est triste. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules depuis leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Je vais voir. Non, c'est bon, faire. On va faire ça. Merci. Je pourrais t'apprendre un sort aussi. Avada Kedavra, si tu veux plus avoir de problème avec ce monde-là. Reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Bon, let's go. Ok, attends un peu. C'est quoi le jeu? Je cherchais une porte bizarre. C'est peut-être en haut ici. Ce guide du sorcier vient pas. Oh, attends un peu. Ça ressemble à quelque chose ici. Non, c'est pas ici. Oh, touche les vues. C'est quoi ça? Un squelette est celui du phénix irlandais, un volatile extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la pluie et dont le cri est autrefois connu pour annoncer la mort. Oh. Ok. N'inquiète-toi pas, je cherche.
peut-être à quelque part là, non? C'est un chat. Quelque chose de spécial là? Non. Ok, on va aller en haut. Oh, un peu. Ça commence à ressembler à quelque chose ici. Oh oui, ça ressemble. Oh, ça ressemble vraiment à ça. Ah, il est là. Lumos. Attends, mon petit mondi. Oh, nice. Récupère les pages du guide de blablabla de Poudlard. Ok, bon. Là, on va pouvoir aller rejoindre le professeur. Pour vrai, c'est quand même hot, ces petites quoi-là. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ah, mais je voulais aller chercher le professeur. Ah, on va faire les boules. Revelio. Oh, il y en a une. Action. C'est l'une des baveboules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Action. Boom. Oh, what the fuck, ça mène où ça? Mi curieux. On va aller voir ça. Oh. Bonjour. Revelio. Je vois un petit coffre intéressant ici. Don't mind me. Revelio. T'es où? Ok, t'es là. Oh. Ce grand modèle de main est utilisé pour aider les élèves à entraîner à la chiromancie. En fonction de l'angle sous laquelle on regarde le modèle, on peut avoir une très longue ligne de vie ou être susceptible de mourir en 15 jours. Lol. Ok. Quel plaisir de vous revoir. Ah, elle est là, l'autre. Revelio. Oups. Action. Boom. Oh, il y en a un autre ici. Oh shit, ok, c'est ça. 0, 1, 2. Ah, c'est un dragon, ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, okay, mais c'est, ça va être facile à d'abord. Ok. Ok, 0, 1. Mais on les a-tu dans notre collection? Défi. Oh. Ok, c'est elle. Bon, Aspi. Ok, nice. C'est bon. Ok, on l'a ici. Ok, bon. Ok, là, il faut le 3. Ok, lui, ça va être 3. Puis l'autre, ça va être 7. Ah non, t'as peu. Ça va être un autre signe. Ok. Fait que lui, il vaut 3. Il nous faut le 7, c'est la pieuvre des galas. Ça, ça vaut 3. Ok. Fait que... Ah, ok, t'as peu. Celui-là, c'est lui. Après ça, 3, ça fait 5. Puis là, il nous faut celui qui vaut 4. Fait que celui qui vaut 4... c'est le hibou. Ok, 4, c'est le hibou. Bon, ça, c'est nice. Ah, c'est ça. Oh my god, que c'est nice là! Fait qu'on va pouvoir nous ouvrir en crème. On en avait croisé, je pense, 3 ou 4. Revelio. Oh, on a eu un télescope. Oh, salut. Salle d'artimancie, cette salle. Après les propriétés magiques des nombres et la numérologie. Ok. Don't mind if I fouille. Ok, on en a un autre ici. Oh shit, lui il va être compliqué. Ok, il est là. Il y en a plusieurs. Ok, lui c'est ça pis ça. Ok, c'est bon. Bon, fait qu'on a 6, 11. 0, ok, 8, fait que ça va être 8 moins le nombre qu'on a. 8 moins la pieuvre, ça fait 7, fait qu'on a besoin de 1. 1, c'est la licorne. Ok, la licorne pour lui. C'est celui à 2, ok. Licorne, nice. 6, 11, 11 moins chose bin. 11 moins ça, 5. Ça veut dire 6, lézard. Ok, nice. Lézard. Yeah.
Boom. Oh, nice. Good. Bon, prochain, c'est lui. Bon, 15 moins le hibou. 0. Ça veut dire cette petite affaire-là. Est-ce que je m'en souviendrai jamais par cœur? Fait que celui-là, c'est... C'est ça. OK. 15 moins 5, ça fait 10. 10 moins le lézard. 4. 4, c'est le hibou. OK. Nice. Bien, OSP. Puis, je pense qu'on va aller ouvrir l'autre après. Une tenue de forgeron sombre. Arche haute, je sais pas c'est quoi. Y'a-tu autre chose ici? Rébellion. Non, c'est chill. Crime, on a débloqué des choses en tabarouette. Bon, fait qu'on va retourner à l'autre. Ah non, mais on va aller finir avant la... d'ouvrir l'œil pour trouver les baf-boules de Zenobia cachées. Ouais, si on va aller finir la quest avec les baf-boules. Pour elle, le château, il est vraiment huge. Ça, c'est hot. Non, qu'est-ce que c'est ça? Rébellion. Ça, c'est la statue de Kelpie. Cette statue représente un Kelpie, un monstre aquatique métaforme. Originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne, qui prend généralement la forme d'un cheval à crinière audoyante. Ok. Tiens, bitch. Oh, attends un peu, c'est la grosse dame, ça? Rébellion. La grosse dame. Ce portrait garde l'entrée de la salle commune de Gryffondor et exige un mot de passe des personnes qui souhaitent y entrer. Ok. Je peux pas y donner le mot de passe? Vos parents étaient pour la plupart des Gryffondors. Ce serait hot si on pourrait rentrer illégalement dans les autres salles. Je pense que c'est... Oh! Action. La petite maudite, j'ai vu. Esprit. Ah, il vient ici. Bon. Comment on va là? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Rébellion. C'est quoi ça? Rébellion. Réparo. Non. Action. Réparo. Oups, il va faire les billets. Oh, ok, nice. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baf-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action. Bien, je pense qu'on les a trouvés au con... Non, il en manque deux. Bien. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baf-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Oh, un petit coffre ici. Oh, il y a un autre coffre en haut là. Ah, il est là. Oups. Action. Nice. Rébellion. Ok, c'est ça. La coupe de feu repose à l'intérieur de ce coffre antique incrusté de pierre. Oh. Il y a la coupe de feu là-dedans. Bon. Il est pas supposé avoir une boule ici? Ah, elle. Action. C'est la dernière baf-boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Trophée botanique de Poulard. Récompense de son talent remarquable dans le domaine de la botanique de Poulard. Poulard remet ce trophée spécial à la poutre-souffle de 7e année, Mirabelle Bubil. Rébellion. Attends un peu. J'avais vu des coffres ici, ils sont en haut là. Ok. Un coffre là, ça c'est barré. What the fuck, il est donc même petit lui. Oups. Eh bien. Qu'est-ce que c'est ça? L'armure d'elfe de maison raconte que cette armure destinée à un elfe de maison était fabriquée par un sorcier cruel qui souhaitait que son elfe le protège en combat. Heureusement, le sorcier était bien trop bête pour réaliser qu'une armure pouvait en réalité être considérée comme un vêtement. Dès lors, l'elfe a revêtu son... Il est immédiatement disparu et n'est jamais revenu. Lol. OK. Donc là, on va aller remettre les petites boules à Chosebin. Oh, shit. Rébellion. What the fuck? Cette armure peu commune a été fabriquée pour un troll. C'est un exploit qu'elle soit encore en un seul morceau, étant donné que les trolls ne
porte généralement pas d'armure et sont, le comprend, bien susceptibles de l'écraser comme désarroi ou de colère. Lol. Quand même nice. J'espère que tu arriveras mieux que moi à retrouver mes baffes. Bonjour Zenobia. J'ai retrouvé toutes tes baffes boules. Vraiment? Je ne pensais pas que c'était possible. Comment tu as fait? Avec un gros bras. C'est quelque sorte très simple. Eh bien, je peux récupérer mes baffes boules. Oh my god, il y avait l'option non, je vais les garder. Oh, c'est lol. Génial! Je te dédierai toutes mes prochaines victoires. D'ailleurs, maintenant que j'ai récupéré mes baffes boules, je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. On peut pas essayer. Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer, après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer. N'est-ce pas? Oh, on va bien s'amuser et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger. Et dont je ne ferai pas partie. Très bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. C'est une sardègue, hein, fait que je vais pouvoir jouer à son jeu. Ok, bon, là, on va aller voir professeur Chosebin. Bon, salut, monsieur Fig. Ah, j'ai-tu vraiment dormi à terre, là? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Professeur, content de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rockwood. Ranrok était après Olar avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrok pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Mais moi, je vais être un mage noir. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrok collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrok. C'est vrai que l'autre se tenait en crime à ses principes. Pour la clé, il s'est fait buter. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam... m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. Moi, je suis pas peur, mon gars. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckhart. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Oh, let's go, on va aller faire un autre petit cours. Je vais prévenir le professeur Eckhart de votre venue. Oh, attends. C'est des trucs ça pour ça, non? Ok. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Squelette noir hybride, ce grand squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mal est en réalité un trophée récupéré par la professeure Eckhart. Après qu'elle ait démantelé, elle est seule. Ah ouais, c'est vrai. Elle avait expliqué, fait qu'on a déjà eu un de ces cours-là. Ouais, parle-moi. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien! Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Oh my god, on va pouvoir aller dehors, faire les trucs. À brûler des toiles d'araignée. Et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Let's go, esprit.
Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Oh yeah. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Et pas conne, la madame. Qu'est-ce que c'est ça? Cette toile particulière serait l'un des endroits préférés de Peeve pour faire des farces. Il vaut mieux l'éviter à moins d'être dans une situation désespérée. Ah! Oh non, pas encore! Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiabol m'a permis de faire... Oh. Cette statue représente le sorcier Lachlan le Meg, un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement? Personne ne le sait. Oh, niveau 9. Oh, il y a un petit coffre, là. Chapeau en peau de mouton. Oh, 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 oh. Revelio. Bon, c'est quoi ça? Cette carte représente l'Alsgishar, je sais pas trop, une région d'Écosse dans laquelle se trouvent les hybrides de la terre native du dragon noir des hybrides. Ok. Ah, oh, il y a un coffre en arrière. Il y a un truc à faire avec ça. Action. Réparo. Leviosa. Non. Il y a un truc à faire avec ça. Oh, on n'a jamais été ici. Action. Réparo. On les a essayé tout le tas de toutes. Bon. C'est quoi ça? Non, on a une page en plus. Je peux t'aider? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joutes Magiques, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de Joutes Magiques? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. Parfait. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Ah oui, j'ai envie de comment est-ce qu'il a dit ça? De donner une leçon? Je suis intéressé à t'avoir. Les duels sont un passe-temps amusant. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Avada Kedavra? Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Ouais, tout de suite. Let's go. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Tabarouette. Elle est pas belle tout de suite, elle? Ok. Leviosa, puis le bouclier. C'est bon, je suis prêt. Compris, protégo. Leviosa. Tiens, ma petite maudite. On a perdu! J'ai donc été une couille! Aspire, je vais recommencer. Difficile. Est-ce que tu veux réessayer? Ouais. Oui. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Parfait. Expliquer les pitons sont pas faciles. Briser les boucliers jaunes dans la de sort, comme ça, blablabla. Verrouillage, ok, utiliser pour changer de... ok. Ah, c'est quoi pour... Non! Tiens, ma petite mondite. Ah, oh, c'est ça le piton. C'est G pour m'ordonner de la vie. Oh my god, j'avais même pas checké ma vie. Bon, ça s'est bien passé. Pour la deuxième shot. Bravo.
Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Mmh. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de Joute Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Okay. J'espère te revoir ici bientôt. Je peux-tu déjà te parler pour faire le deuxième? Bonjour, Lucan. Je peux utiliser... Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Non, plus tard. En fait, je reviendrai plus tard. Comme tu voudras. Tu sais où me trouver. On va aller apprendre Incendio tout de suite. Puis après ça, on va revenir faire des petits combats. C'est quoi qu'il faut... Bonjour Lucan, est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche? Fallait-tu que je m'entraîne ou je comprends pas? Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Ouais. Oui, allons-y. Parfait. Fait que tu vas te battre avec un partenaire? Q, bloqué. Non, je vais faire ça tout seul. Je vais me battre en solo. Dans ce cas, allons-y. Q, G, puis après ça, 2. Que dirais-tu d'une petite rossée? Non, ma dame est confiante. Désolé d'avance. Quoi, c'est contre deux? Les vieux sont protégés. Vaut mieux que ça. Les vieux sont. J'ai perdu mon pari. Oh shit. Tiens, ma petite maudite. Lumos. Protego. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'ai-tu des objets à leur pitcher, non? Oh shit, ça fait mal. Ok. Oh, ok, c'est ça que je peux faire. Protego. Levioso. Action. Action. Tiens, mon Simon dit. Ok, là, je comprends mieux. Oh merde. Réparo. Oh, esprit, je les avais eus pourtant. Esprit, le petit dernier. J'ai bien fait de ne pas parier sur toi. Tu veux réessayer? Ouais. Je voudrais réessayer. Ravi de l'entendre. Ok, je comprends, les sorts bleus, c'est l'autre truc. Ah, ok, c'est bon. Je suis prêt. Action. Les vieux sont. Protego. Les vieux sauts. Action. Protego. Les vieux sauts. Action. Alors,
Leviosa. Protego. Action. Leviosa. Action. Tiens, ma petite mondite. Lumos. Leviosa. Tiens, ma petite mondite, Aspi. Bon, tabarouette, c'est tellement plus facile. Là, j'ai compris les couleurs, c'est pour mes sorts. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Quand tu comprends, c'est facile. Les autres t'avais déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Nice. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Ok. Que je fais un entraînement de soir. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner un peu. Content que tu t'accroches. Ça y est, tu veux essayer? Ouais. Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Tiens, je suis prêt. Leviosa. Ah, oups. Action. Essaie encore. Ah, je comprends. Ah, ok, c'est ça qu'il voulait que je fasse. Bon. Je suis prêt. Leviosa. Bon. Beau travail. Okay. Pour vrai, ça me prendrait d'autres pitons que les 1, 2, 2, 3, 4. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. J'ai envie de faire un autre combat. Let's go. Tu feras un autre combat? Tous mes devoirs sont finis. Je pense que non. Ok. Je vais sortir alors. Ah, puis attends un peu, on va changer de linge tout de suite. Inventaire. Équipement. Ah, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a une nouvelle écharpe. Oh, elle a l'air belle. Celle-là. Oh, elle est belle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des nouveaux gants. Ok. Ils sont pas tant plus beaux, mais pas grave. On a un nouveau chapeau. Oh my god, que je suis laid. Nouvelle cape. Oh, c'est pas pire ça. Oh, on a l'air pas si pire, pour vrai. Attends un peu, il y a une nouvelle baguette aussi. Oh, j'ai pas encore pris ma baguette. Bon. Esprit, là, on est cool. Là. On est-tu cool ou on est laid? On est entre les deux, hein? On est laid pis cool en même temps. Je suis. Ah, yo madame, j'ai fini. J'imagine que monsieur Bratton. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecate. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sorts m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Je suis prêt. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Easy peasy. On va-tu avoir genre un nouveau slot 5? Incendio. Beau travail. Ok, on peut les placer comme ça. Bon. Incendio. Oh. On va s'amuser un peu avec. Vous améliorez. Continuez en essayant de ne pas vous brûler.
peux-tu mettre ça en feu? Tant pis, on va tout épanouir en même temps. Partout est fascinant, n'est-ce pas? Oh, tant pis, école, elle va y passer. Bon, ben, esprit là-dessus, on va se laisser là-dessus. Là, on fait des combats. On est rendu encore plus laid. Puis, on a un nouveau sort Incendio. Puis, on sait maintenant comment ouvrir les maudites portes secrètes avec les petits symboles. Fait que, crif, c'est vraiment hot. J'ai pas encore réussi à avoir un balai ou ben un hippogriffe ou whatever pour voler. J'ai vraiment hâte. Fait que, c'est clair qu'on va se rejoindre pour la suite. Check ça à quel point je suis laid.